Bonjour à tous et bienvenue dans Come Together saison 3 épisode 7, une émission proposée par l'agence Madame Monsieur en partenariat avec l'ARCES, le réseau national des communicants du supérieur et c'est diffusé ici sur Campus Matin. Alors au programme aujourd'hui vos rubriques habituelles avec notamment les actus comme de l'ESR qu'Emilie Brousse vous aura déniché une revue de presse. Avec le kiosque et enfin, un petit oral qui sera consacré aujourd'hui à une vaste campagne de réseau social organisée par l'école Digital Campus. Mais avant tout, cet épisode sera aujourd'hui consacré à un dossier classé X, ou plutôt ex-Twitter. Avec sa reprise en main par Elon Musk, le célèbre oiseau bleu a du plomb dans l'aile. Augmentation des fake news, absence de modération, cyberharcèlement... Des dérives à la chaîne qui amènent une question essentielle. Le réseau social X est-il devenu infréquentable pour les acteurs de l'ESR C'est cette question que nous allons essayer de décrypter aujourd'hui avec mes invités, Jingle. Non content de vouloir conquérir l'espace, Elon Musk a décidé de conquérir l'espace médiatique. En rachetant Twitter et en le rebaptisant X, le sulfureux milliardaire a jeté le discrédit sur l'un des réseaux sociaux les plus populaires. Et le mouvement n'a pas échappé aux acteurs de l'enseignement supérieur. Depuis l'été 2023, de plus en plus d'universités et de grandes écoles ont décidé de quitter ou de fermer définitivement leur compte X, voire à minima le mettre en veille et ne plus l'alimenter. Doit-on s'inspirer de ces déserteurs Y a-t-il des alternatives crédibles comme Blue Sky, Threads ou LinkedIn Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table trois invités que je vais vous présenter immédiatement. Tout d'abord, Rennes Paris. Rennes, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication de l'université de Rennes 2. Et vous avez décidé, une des premières à avoir décidé de quitter euh, votre réseau avec euh, à l'époque 16 000 abonnés inscrits sur votre compte. C'est bien ça, on a mis en veille notre compte Twitter le 31 août 2023, très exactement. On va en parler. De l'autre côté de la table, j'ai le plaisir d'accueillir Céline Otémaïou. Vous êtes chargée de projet communication du groupe INSA. Et vous, c'est une autre histoire qui vous est arrivée. On vous a fermé votre compte Twitter, votre compte X. Vous allez nous raconter... Tout à fait, on vous racontera. Vous allez nous raconter <laughs> comment vous l'avez vécu et comment vous avez réagi euh, par rapport à cet événement. Et enfin, nous avons également la chance d'accueillir Romain Pigenel, directeur du développement des publics. Et de la com d'Univers et enseignant en communication politique à Sciences Po. Bonjour. Et vous, et vous, vous avez une position, une position un peu alternative. Vous dites qu'il faut être fou pour se passer de X ex Twitter. On va en parler. On va en parler. Mais on va commencer par le commencement. Vous avez été, euh, Rennes, une des pionnières dans, euh, dans, le, dans ce mouvement anti-X dans l'enseignement supérieur. Rennes 2 a décidé de quitter le réseau social. Pourquoi l'avez-vous fait Est-ce que ça a été dès le rachat ou est-ce que ça a été suite à euh, des événements que vous avez suivis Alors euh, le, le rachat de Twitter par Elon Musk euh, nous, a, nous a, nous avons commencé à nous poser euh, la question de notre présence euh, sur Twitter à ce moment-là et surtout au moment du licenciement de son équipe de modérateurs, qui c'est vraiment ça qui nous a inquiétés au départ. Donc, la décision managériale de Twitter de, de se couper de ça. Vous avez fait réagir. Voilà. Euh, à ce moment-là, on a quand même décidé de, de rester et de voir ce qui allait se passer. Euh, parce que c'est vrai que sur, sur le moment, on s'est dit que quitter Twitter, c'était abandonner le terrain aux désinformateurs. Donc, dans un premier temps, on s'est dit qu'on allait rester. Et puis, ce qui nous a décidé, finalement, à quitter euh, Twitter, à mettre en veille notre compte, c'est les différentes annonces qu'il y a eues, le retrait du Code européen, des bonnes pratiques de lutte contre la désinformation, euh, et puis l'annonce de la fin de la fonctionnalité de blocage. Tout ça, pour nous, ça a été des signaux qui nous ont inquiétés. Et là, on s'est dit que euh, ces décisions euh, laissaient libre champ, en fait, à... Aux messages de haine, aux messages de harcèlement, euh, aux me au messages violents. Et nous, euh, une des valeurs de l'Université Rennes 2, c'est vraiment la lutte contre le harcèlement et les discriminations. Et on s'est dit que rester sur Twitter, c'était finalement euh, accepter d'être sur un réseau qui entrait en conflit avec nos valeurs. Alors j'imagine que c'était une décision lourde. Ça se prend à quel niveau C'est les communicants ou ça vient de la présidence de l'Université alors, euh, il se trouve que le contexte de l'Université Rennes 2, nous venions d'avoir des nouvelles élections. Donc, c'est plutôt. L'initiative est plutôt venue de, du service communication. C'est moi qui ai soumis en bureau de direction euh, cette question. Euh, j'ai expliqué que moi, je préconisais de quitter, euh, de quitter euh, Twitter, qui, qui s'appelait euh, déjà X à ce moment-là. Euh, et j'ai expliqué les raisons que je viens un peu de vous résumer. Et euh, je dois dire que la décision s'est prise très, très rapidement. Mais on, on est autour d'une que... décision politique, éthique. De conflit de valeur. Voilà, exactement. Ça a été un choix éthique de quitter Twitter. Alors, vous, Céline, l'histoire est différente. Vous avez quitté Twitter, mais vous n'êtes pas à l'initiative de ce retrait. Vous, avez, euh, vous, avez, vous avez reçu l'information comme quoi euh, vous, vous étiez désabonné. Oui, tout, tout à fait. Alors, l'histoire est un, un peu plus complexe que pour, pour, pour Rennes et pour les autres établissements. Nous, on a vu notre compte, compte Twitter bloqué, donc le compte Twitter du, du groupe INSA qui avait à l'époque à peu près 7500 abonnés, euh, par une notification reçue un jour de février 2023 euh, qui euh, laissait entendre qu'on avait enfreint certaines règles de la plateforme. Or, notre usage était purement institutionnel, donc il n'y avait rien qui débordait ou qui, qui aurait pu prêter à... Rien à... d'identifié Rien d'identifié. Euh, on a fait euh, toutes les démarches possibles inimaginables auprès euh, des équipes euh, support qui étaient euh, de plus en plus euh, exsangues à cette époque-là. Et on n'a jamais réussi à remettre les, la main sur le, le compte Twitter. Donc le compte existe, mais il n'est plus administrable. Euh, Donc voilà. vous avez perdu la main sur Exactement. le compte. Et vous n'avez pas eu d'explication euh, objective, rationnelle et, et motivée de ce choix. Comment Alors, est-ce que vous avez êtes dit c'est une opportunité ou est-ce que vous l'avez mal vécu au début en disant. On, perd, on va perdre du terrain, on va perdre un outil de veille, on va perdre plein de choses. Personnellement, je l'ai mal vécu <laughs> parce que c'est subi. Donc, ça allait pas du tout euh, dans le sens de la stratégie qu'on menait à l'époque sur, euh, sur les réseaux sociaux, même si notre usage était, comme je le disais, très institutionnel. On avait une ligne éditoriale euh, bien établie, à savoir euh, consacrer euh, le compte Twitter à tout ce qui est actualité de la recherche, puisque c'est là où sont nos, nos chercheurs et les chercheurs des, des écoles. Donc, nous, on, on ronronnait un petit peu dans l'utilisation le, dans le, dans dans du. Du compte, euh, je dis que je l'ai subi parce que vraiment, en fait, déjà on n'a pas compris et on n'était pas du tout à l'époque dans une démarche où on se posait encore la question d'y rester ou pas. On analysait évidemment ce qui se faisait, euh, mais moi j'étais plutôt dans, dans l'idée de continuer à, 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 à développer, à déployer le compte. Et alors le euh... fait d'être exclu, ça vous a conforté dans l'idée que. C'était un réseau social infréquentable Alors non, en fait la question s'est plutôt posée de savoir si on recréait un compte, si on remettait de l'énergie à créer un compte, sachant qu'on avait 7500 abonnés, ce qui n'est pas énorme hein, par rapport mm -hmm. à d'autres comptes d'institutions. Il, il y avait quand même euh, voilà, euh, des abonnés. Et donc la question a été vraiment euh, débattue et, euh, euh, entre collègues de, euh, communicantes euh, pour savoir si on remettait de l'énergie pour déployer un autre, un autre compte Twitter euh, ou euh, au vu de quand même l'actualité naissante sur le réseau, on essayait d'investiguer d'autres réseaux. On a plutôt opté pour cela, euh, à savoir faire le deuil finalement de ce compte. Et en y voyant finalement, la, certaines collègues m'ont dit, mais voyons-y une opportunité aussi de réfléchir à autre chose. Donc on a décidé de ne pas se redéployer au niveau du groupe sur X, euh, mais de, de réfléchir à quelles pourraient être les alternatives. Aujourd'hui, on en est encore là. On parlera des alternatives. Quand vous entendez euh, Rennes évoquer le fait que... Ça rentre en conflit avec des valeurs, et notamment les valeurs des grandes écoles, des universités, forcément. Euh, vous vous dites, euh, elle a fait le bon move, c'est elle qui a fait le bon mouvement, ça, elle devrait être suivie dans son raisonnement, parce qu'on ne peut pas se déclarer établissement RSE, établissement euh, à responsabilité quelconque, et en plus former les jeunes et être, euh, être en ligne avec euh, X. Alors, c'est quoi votre regard par rapport ouais, à une décision euh... J'entends et je respecte totalement les décisions des collègues qui ont fait ce choix de notamment de se mettre en veille, parce qu'en vérité, il y a très peu d'établissements qui ont vraiment fermé leur compte. Oui. Euh, c'est plutôt une mise en veille, voire euh, voilà, une mise en une mise en sommeil du compte. J'entends tout à fait, mais la, la question de, de la RSE peut se poser aussi sur aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, parce qu'on doit continuer à se déployer à tout va sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une bonne stratégie Enfin voilà, j'ai pas la réponse, mais je la questionne finalement cette question sur X. Elle peut très bien se, se poser sur d'autres réseaux sociaux. Donc, je pense que c'est aussi ça qui questionne un peu nos, nos métiers aujourd'hui, euh, de savoir si euh, voilà X est presque un épiphénomène. Globalement, la question, je pense, se, peut se poser pour toutes nos stratégies. On va interroger forcément Romain Pigenel là-dessus. Vous êtes euh, plus, plus sceptique sur cette politique de désertion ou de, ou de blocage mmh. de, de Twitter pour raison éthique euh, Vous, vous n'êtes pas sur cette ligne-là en non. tant qu'observateur et euh, il y a deux questions, en fait, qui ont bien été euh, évoquées par les deux intervenantes. Il y a la question de la morale et la question de la pragmatique. Et pour moi, les deux, euh, elles sont liées. Euh, déjà, pragmatiquement, nous, Universcience, on est donc l'établissement public qui regroupe euh, Cité des sciences et de l'industrie et Palais de la découverte. Donc, on a vocation, alors je ne dirais pas plus que les établissements enseignement supérieur, mais on a vocation encore plus, en tout cas, à être euh, sur de, des problématiques euh, B2C. Et on parle au grand public. Et notre problématique, c'est d'investir, d'abord de faire venir des visiteurs et, euh, et d'arriver à être en contact avec le plus grand nombre de grands public. Et donc, dans la stratégie de communication et dans les valeurs qu'il apporte, la question qu'on se porte, c'est euh, où, où va-t-on pour arriver à toucher les publics dont on a besoin euh, Donc, euh, notre sujet, alors d'abord, nous avons maintenu nos comptes Twitter. On sait qu'il s'est posé la question en interne et on a pris la décision, quand, notamment quand il y a eu les vagues de, de, de fermeture, quand il y a eu différentes annonces, on a pris la décision de rester dessus. Euh, D'abord parce qu'on constate que euh, les publics auxquels on veut s'adresser sont encore présents sur Twitter. Mm -hmm. euh, à la fois sur le grand public, même s'il y a des affections, il y a moins de, nombre, euh, moins de comptes qu'auparavant, mais aussi sur des publics spécifiques. Je vous prends un exemple très précis. Nous, on développe de plus, euh, plus en plus une activité autour du jeu vidéo, euh, puisqu'on a un espace de vidéo à la Cité des sciences et de l'industrie, à la fois sur la pratique et sur tout ce qui est questionnement autour du jeu vidéo, et notamment sur l'e-sport, qui est la compétition de jeux vidéo. On a accueilli un grand événement il y a quelques semaines, le, le festival Villette e-sport qu'on a créé. Et dans ce domaine-là... Tous les acteurs du, du, du e-sport sont très très par exemple centrés sur Twitter. Et c'est étonnant parce que plus même que sur les, les réseaux, parfois plus, oui, plus jeunes. Exactement. Et même des jeunes du e-sport vont aller beaucoup plus sur Twitter que d'autres jeunes. Donc par exemple pour nous, quand on fait cet événement là, ça serait impensable de ne pas être présent sur Twitter. Enfin en tout cas tant que le réseau est légal. Parce que moi c'est quand même ce que je voudrais rappeler d'une part. Euh, et c'est aussi la ligne qu'on suit tant que ce n'est pas illégal. Pour moi il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Oui mais légal n'est pas forcément fréquentable. Encore une fois, pour moi, la morale du communicant, c'est aller parler au plus grand nombre de personnes. En tout cas, quand on est sur des problématiques grand public, je comprends tout à fait que pour des collègues qui sont plus sur de la relation, j'irai euh, B2, B2B. C'est un peu, un, peu, un peu différent. Et par ailleurs, euh, puisqu'on a nous aussi à cœur de travailler sur les problématiques de désinformation, on sait qu'une des clés de ces réseaux, c'est la, la trouvabilité des contenus. Pour que les contenus remontent, il faut qu'ils soient euh, nombreux, bien diffusés, etc. Et euh, moi, j'ai un, un, un adage très simple, c'est qu'en partent les dégoûtés, restent les dégoûtants. Et donc, si on est de plus en plus nombreux, entre gens sérieux, et encore une fois, moi je respecte les décisions qui ont été évoquées, à quitter ces réseaux, par effet de masse critique, on laisse le champ aux euh, désinformateurs. Et puis, je voudrais quand même euh, relever deux derniers points qui me semblent importants. Euh, ce qui est intéressant, c'est que la figure d'Elon Musk, qui est évidemment euh, euh, controversée, voire détestable, parce qu'on voit bien qu'il se lâche de plus en plus, et évidemment que les valeurs... Qu'il propage régulièrement sur son propre compte sont problématiques. Mais euh, ça ne veut, ça veut pas dire pour autant que tous les autres réseaux soient parfaits. Et les problèmes de modération, les problèmes de fermeture de compte, moi j'en ai connu sur Facebook, les problèmes de modération sur TikTok, ils sont énormes aussi. On en parle moins parce que par effet de, de prisme, notamment les journalistes, les médias sont moins présents sur ces réseaux. Mais il y a aussi des problèmes. Donc bien sûr que c'est pire sur Twitter, mais le reste n'est pas parfait. Euh, donc ce n'est pas un problème, le problème moral les réseaux sociaux dépassent Twitter, voilà. même s'il y a une figure de. Et puis un dernier point, si, si, si vous permettez, Moi, je, il pourrait y avoir un élément déterminant dans ce type de choix si on se disait OK, admettons que toutes les facs et les centres de recherche ferment leurs comptes, on fait tomber Twitter. Mais on sait bien les uns les autres que ce n'est pas vrai. On n'a pas la masse critique pour. Donc, ça serait différent. Admettons qu'on est ou que l'État français décide, ordonne à toutes les administrations, tous les ministères de couper les comptes. Mais le réseau devient illégal. Vous évoquez chose. différents points qui sont, qui sont très importants et sur lesquels j'ai envie de faire réagir. Déjà, en, en libérant le terrain, euh, bah, vous laissez le terrain à des gens moins informés que votre communauté scientifique, moins légitimes que certains de vos acteurs qui pourraient prendre la parole. C'est pas un problème d'abandonner le terrain en, en écho à ce que, que témoignait Romain alors euh, moi, je, je vois plutôt ça comme euh, une démarche lucide. Euh, je pense qu'on ne peut pas lutter contre l'algorithme de Twitter aujourd'hui. Euh, je pense que la voix des experts euh, n'est plus audible sur Twitter. Je pense que tous les trop noyé avec euh, des fake, avec des voilà, l'algorithme qui privilégie tous les messages qui font le buzz. Si on essaye de creuser un peu, il me semble que voilà, nos messages ne sont pas vus. Euh, et puis tous les signaux envoyés par euh, Twitter X, euh, à mon avis, sont plutôt hostiles à la recherche. Euh, on voit que euh, voilà, il y a eu une enquête de Reuters justement qui expliquait que euh, les chercheurs étaient empêchés, on gênait leur accès aux données quand ils essayaient de faire des recherches euh, sur euh, la propagation euh, des informations sur Twitter. Euh, voilà. Donc euh, pour moi, ces signaux là font que pour une université, ça devient vraiment très compliqué de rester sur X. Nous, on cherche quand même à développer l'esprit critique de nos étudiants, à former des citoyens éclairés. Et voilà, il me semble que sur ce réseau social, même si les autres réseaux sociaux ne sont pas parfaits, euh, Twitter... C'est selon moi le pire. Et pas seulement selon moi, parce que je crois qu'il y a eu aussi une étude de la Commission européenne qui a vraiment vu que c'était le réseau social le pire pour la désinformation. Il y a une enquête. Donc de. Donc l'information, la... pour vous, n'a pas sa place dans un lieu où la, la désinformation règne. Je Céline, pense... vous, vous réagissez comment par rapport à, à cet argument de laisser le, laisser le terrain aux autres bah, je l'entends et c'est vrai que je pense que c'est complexe comme décision à prendre parce que je suis sensible à, cette, à cet argument-là, à cet argument de dire ne, finalement ne cédons pas la place à la désinformation. Après, je pense que pour nos, nos institutions qui ont un usage, encore une fois, très institutionnel sur Twitter, et c'est peut-être en tort, hein, mais c'est un, un autre débat, euh, pour le coup, on est... On est quand, Très peu audibles. Euh, et puis il y, y a un autre aspect moi qui me, qui me, qui me tient à cœur, c'est euh, on a des collègues qui se sont pris des, des raids euh, vraiment euh, très très violents. Alors on sait que ça arrive, il faut faire le dorant, ça dure deux jours et puis ça passe. Euh, J'entends aussi que les institutions n'aient pas envie de gérer. Parce que, euh, parce que pas envie tout simplement, ou parce que pas les moyens euh, humains ou euh, financiers, d'investir de, de, sur un réseau social où finalement, euh, il faut écoper le bateau en termes de, euh, euh, de, 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 de modération. Euh, donc j'entends aussi ce, 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 ce besoin, cette envie de, de se préserver un peu finalement. Voilà. Euh, je ne dis pas que c'est la bonne solution, mais je, je comprends finalement les deux, les deux points de vue. Mais Romain, malgré les contre-arguments, vous pensez qu que les... La perte est plus grande que le profit de quitter ce réseau Je pense qu'il n'y a pas de réponse unique et ça dépend vraiment des objectifs de chacun. Euh, ce qui est sûr, et je voulais rebondir sur ce que dit Irene Paris, et je, je partage ce qu'elle dit euh, il y a d'abord, effectivement, il y a une problématique de coût. Et ce qui est sûr, c'est que sur ces réseaux-là, sur tous les réseaux en général, mais en particulier sur Twitter, euh, si on ne met plus l'investissement nécessaire, ça ne fonctionne plus. Investissement en termes d'achat publicitaire, parce mmh. qu'on sait bien que le flux, euh, la visibilité organique a été réduit. C'est le cas, encore une fois, pour tous les réseaux. Mmh. Mais c'est vrai sur Twitter, on voit bien que euh, le reach, pour parler vulgairement, c'est donc la, la portée potentielle des postes s'est effondrée euh, en, quelques, euh, en quelques mois. Aujourd'hui, si on n'est plus certifié que la certification payante et la certification officielle non payante est compliquée à avoir, on est invisible. Donc, euh, c'est sûr que si on y est juste pour survivre, euh, sans stratégie claire pour y exister et sans besoin d'y être, euh, moi je ne dis pas non plus qu'il faut absolument y être. Au contraire, encore une fois, je suis pour une étude pragmatique. Si on se dit qu'on n'a pas les moyens d'y aller, qu'on perd rien, et que finalement on n'a pas grand-chose euh, voilà à, à y porter qui pourrait émerger dans ce cas-là évidemment que ça ne sert pas à, à, à grand-chose d'y être et c'est vrai que de manière générale pour rebondir sur ce que vous disiez euh, les stratégies institutionnelles ne, elles n'ont jamais beaucoup fonctionné sur ces réseaux parce que c'est des réseaux qui ont été créés pour la relation interpersonnelle mais elles fonctionnent de moins en moins parce que tous les algorithmes mais encore une fois c'est vrai pour Facebook pour Instagram pour TikTok privilégient de plus en plus l'information personnelle qui fait le buzz etc c'est plus vrai sur Twitter mais c'est vrai aussi sur les autres donc là il y a un vrai problème de fond euh, sur lequel moi je, je me bats depuis plus de 10 ans, c'est euh, la, la, la capacité des institutions, et je pense que c'est une nécessité, à investir dans les moyens humains et financiers pour émerger sur ces plateformes. Et ça, c'est vrai que tant qu'on ne met pas ces moyens-là, euh, après encore faut-il les avoir, hein, c'est une autre question, mais c'est de plus en plus compliqué d'y émerger. Beaucoup d'observateurs, de, de vos confrères dans les universités et les grandes écoles, et observe ce que ce que vous avez lancé euh, si on vous demandait ce que vous avez perdu concrètement euh, si vous deviez mesurer un déficit aujourd'hui que leur répondriez-vous euh, on n'a rien perdu <laughs> on a gagné beaucoup d'abonnés sur LinkedIn euh, et on a voilà notre community manager qu'on peut consacrer plus de temps à chacun euh, des réseaux sociaux des réseaux sociaux on a investi. Euh, donc euh, je pense qu'on produit du contenu euh, qui, est, qui est plus qualitatif. Euh, on a décidé aussi de mettre nos efforts sur d'autres euh, canaux. Par exemple, on a lancé un site d'actualité qui s'appelle Les Nouvelles de Rennes 2 et donc on essaye de l'alimenter avec plus d'interviews qu'on relaie sur LinkedIn et là on voit que le taux de rebond est bien meilleur qu'il ne l'était sur Twitter. Euh, donc moi je dirais qu'on est plutôt gagnant. On a aussi Pas essayé. Aucun regret à ce stade, aucun regret. Aucun, aucun regret en termes de fréquentation de nos comptes, de diffusion de notre information. Euh, il me semble vraiment qu'on n'a rien perdu. Ça nous amène sur les questions relatives aux alternatives. Est-ce qu'aujourd'hui il, il y a un backup quand on quitte euh, X euh, Vous êtes sur quelle piste Qu'est-ce que vous expérimentez aujourd'hui Et évidemment je vous demanderai votre conseil par rapport à ça. Alors du côté du, du groupe INSA, comme je le disais, le choix a été fait de ne pas recréer un compte sur Twitter et d'en profiter finalement pour se poser, pour réfléchir un petit peu à, à l'alternative euh, qui pourrait être mise en place, si besoin d'une alternative d'ailleurs, parce que je pense comme Reine que euh, pour nous, on n'a pas perdu, en fait, euh, on a plutôt gagné du temps de cerveau disponible. Pour le coup, euh, les alternatives. Alors, moi, je les étudie à mon niveau avant d'embarquer. Parle de Threads, Blue Sky, de LinkedIn. Voilà. Euh, alors, sur vraiment le côté microblogging, Mastodon, euh, Threads et, euh, et Blue Sky. Euh, pour le coup, moi, j'étais plutôt euh, du côté d'investiguer pour Blue Sky. Pour l'instant, j'ai pas envie d'embarquer le, le, le groupe sur ce, sur ce terrain-là. Vous observez. On observe et euh, en parallèle, on a déployé, comme vous le signaliez, Rennes. Euh, pas mal d'énergie sur LinkedIn parce que l'engagement y est bon, parce qu'on y touche pour le coup des cibles euh, très intéressantes pour nous, que ce soit les diplômés, euh, les enseignants-chercheurs qui y viennent de plus en plus, même si c'est encore, euh, si encore euh, on va dire, balbu balbutiant, des étudiants. Donc on a plutôt fait le pari de mettre de l'énergie à la fois sur LinkedIn et sur Instagram pour, euh, pour les étudiants, pour la communauté étudiante, avec un vrai souhait pour le coup d'y de, investir des moyens humains et des moyens financiers. C'est vrai que dans nos institutions, on n'a pas la culture de, de, de l'achat, par exemple, de publicité. Pour le coup, c'est très nouveau. Alors c'est à la fois, je pense, dans les têtes, mais aussi dans les porte-monnaies, parce que on passe sur la galère pour acheter de, de la pub avec, avec les comptes de nos institutions. Nous, on a fait le choix d'investir, notamment pour nos admissions sur Instagram. On en est très content. Euh, on est en train vraiment de, de créer du lien, de créer une communauté. Euh, donc à pas ce exactement stade, c'est pas la même vocation. Mais à ce stade, on s'est dit qu'on allait prioriser sur ces champs-là, avant peut-être de repenser à, à investir sur un réseau social vécu comme concurrent de Twitter Romain, vous avez, vous avez un chouchou, je crois. Euh, Alternatif. <laughs> X, déjà, il n'y en a pas. Parce que, comme je le dirais pour LinkedIn, c'est des réseaux qui ont développé leur propre identité. Et euh, si on résume l'identité de X, c'est-à-dire un réseau d'information basé sur la viralité, où vous avez à la fois les chefs d'État, les rockstars, les stars du rap euh, et les, les chercheurs... Personne ne réinventera ça, parce que, et on voit bien que Blue Sky, Mastodon, c'est des initiatives sympathiques, mais les chiffres sont, sont de plaisanterie, il n'y a pas d'audience. Euh, on, on, nous, on, a, on est monté sur Threads, parmi les premières institutions, mais je pense qu'on est un certain nombre à faire le même constat. Euh, les ingrédients sont là, parce qu'ils ont simplement copié X, hein. on se dit que la puissance de Meta fait que ça pourrait décoller un jour, mais on est quand même loin d'avoir ce qu'était la puissance de X à la grande époque, ou même ce que permet X aujourd'hui. Donc euh, voilà, je pense que. Mais je dirais pareil pour LinkedIn. En fait, c'est des réseaux qui ont une telle identité, d'ailleurs, c'est pour ça que les autres essaient de les copier, qu'il n'y aura pas d'alternative. En revanche, moi, le, le, le tournant qui me semble nécessaire à prendre, c'est la vidéo. Euh, ça fait un bout de temps qu'on en parle, mais on voit que ça explose. Euh, nous, on produit à Universcience chaque année une étude. Dans la prochaine édition, sort dans quelques jours, qui est le baromètre de l'esprit critique, où on mesure justement le rapport des Françaises, des Français à l'esprit critique, à l'information, à l'information scientifique. Et ce qu'on voit très clairement, c'est que le média vidéo, on le sait, mais on le voit dans notre étude, que ce soit sur YouTube, les vidéos sur les réseaux sociaux, est vraiment de plus en plus prégnant pour le rapport de l'actualité aux Français de l'actualité. Et ça, c'est un tournant qui. Doit être pris, je pense, par notamment la recherche et l'enseignement supérieur. Nous, on a mis en place une politique assez agressive dans ce domaine-là, notamment à la Cité des sciences et de l'industrie, depuis quelques mois. Nos scores, notamment sur Instagram, ont explosé. Et on voit là que, notamment pour, pour parler aux jeunes, c'est sans doute enfoncer des portes ouvertes, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Donc peut-être plus sur le type de contenu que sur la plateforme. Pour le contenu, il faudrait une plateforme. Voilà, mais c'est complètement La là, vidéo et Instagram fait, alors, Et YouTube après. Et, et, et le, 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 le prochain risque, c'est TikTok, parce que les audiences de TikTok sont en train d'exploser. Euh, il y a une très 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 faible présence d'acteurs institutionnels et même des médias et là, c'est quelque chose qu'il faut investir sinon on reproduira les mêmes problèmes qu'aujourd'hui sur X avec la porte ouverte à, à tout et n'importe quoi. Rennes, Romain, Céline, merci beaucoup d'avoir apporté votre témoignage sur cette question-là avec vos expériences respectives, vos analyses respectives, c'était passionnant. Euh, je passe la parole à la prochaine rubrique avec Émilie Broust qui va vous faire un tour d'horizon des actus comme de l'ESR Jingle. Et on commence avec une recette de cuisine. Je suis une tarte facile à préparer à base d'œufs, de crème fraîche, de gruyère et de lardon. Je suis, je suis... Je suis la Quiche Lorraine et je suis aussi la nouvelle campagne de promotion des Masters 2024 de l'Université de Lorraine, déployée depuis février. Une campagne décalée avec un visuel et un slogan autour de cette spécialité locale. Mais pas que, la tarte et le pâté sont également au menu avec des slogans tout aussi détournés. Objectif, promouvoir les 250 Masters de l'université et son insertion en mode On est les meilleurs. 80% de la campagne est déclinée sur les réseaux sociaux, également poussée par un réseau d'influenceurs ESR et des ambassadeurs de master. Enfin, un site internet plus institutionnel aux couleurs de la quiche aussi donne toutes les informations institutionnelles sur les parcours. Bon appétit Nouvelle identité graphique web pour Grenoble INP. Depuis plusieurs mois, la vingtaine de sites Internet du groupe a évolué vers un nouveau design, vers une charte graphique commune et harmonisée. Au-delà d'un axe créatif, c'est une refonte qui se veut plus conforme aux normes et standards numériques actuels, adaptée à toutes les tailles d'écran, consultable sur smartphone, avec une interface de recherche simplifiée et des protections de données personnelles beaucoup plus conformes. Ces sites offrent aussi une meilleure accessibilité, plus de fonctionnalités, bref. L'objectif, une expérience utilisateur attractive et enrichie. Cette évolution inclut également la création de nouveaux sites internet pour Polytech Grenoble INP et pour Grenoble IAE INP. Ce nouveau modèle de site est le fruit de deux années de collaboration de l'ensemble des équipes de communication et gestionnaires des sites, donc tous très investis dans ce beau projet. Vous avez peut-être manqué cette information. Enseignement ITC, les écoles de management de Brest et de Quimper portent un nouveau nom depuis septembre 2023. Skills. Pour Skills, compétences en anglais, avec un peu l'accent breton. Ça peut faire skish, skills. Bon. Et depuis, la communication s'uniformise. Après le nouveau nom, la nouvelle charte graphique, le nouveau site internet sous black and color, le nouveau logo, puis la fusion des comptes réseaux sociaux Instagram et Facebook, voici maintenant des campagnes justement pour le site et les réseaux sociaux. Objectif mettre en avant les étudiants et les équipes de l'école pour une com très humaine, très proche des acteurs des trois campus. Par exemple, on a la campagne C'est l'affiche, qui met en lumière des étudiants, leur formation, leur alternance, leur campus, dans un style Hall of Fame. Ou encore les vidéos Paroles d'étudiants, dans une ambiance chill pour écouter leurs confidences sur le parcours. Sans oublier une page du site dédiée aux nouveaux arrivants dans les équipes administratives et pédagogiques de l'école. Bref, moi j'ai envie de dire rendez-vous pour la suite des aventures avec l'ouverture du campus de Lorient à la rentrée 2024. Avant de retrouver notre invité pour le petit oral, je vous invite à découvrir les dernières actus parues dans la presse. C'est dans notre kiosque Jingle. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition du kiosque de l'ESR, la rubrique qui vous présente les dernières actualités du supérieur. On démarre tout de suite avec le dernier dossier du Figaro étudiant sur les formations Bac plus 5 et Bac plus 6, qui débute avec un édito de Sophie de Tarlet sur la vision des jeunes sur le monde du travail. À quelle carrière rêvent les jeunes Quel est pour eux le job de rêve Selon le nouveau baromètre de l'ISC Paris, 47% des jeunes interrogés Envisage déjà un changement de carrière, notamment via la création d'entreprises. Ce dossier du Figaro étudiant consacre aussi un article sur les formations Bac 5 en management du sport, qui profite de la dynamique autour des Jeux Olympiques. La journaliste Christine Pidalu y partage un conseil utile. Pour réussir à trouver un travail intéressant dans ce secteur, mieux vaut bien connaître le secteur sportif. Ce mois-ci, le Parisien étudiant a publié un nouveau classement dédié au bachelor, avec sur le podium le bachelor en management de l'ESCP, Rennes Business School et l'ESCA. Dans le dossier qui accompagne ce classement, le journaliste Nicolas Chalon s'est posé la question suivante. Pourquoi le bachelor est-il si attractif Peu connu il y a encore dix ans, ce programme a réussi à s'imposer comme un incontournable. Selon William Hurst, directeur général de l'EDC Paris, interrogé par le journaliste, le programme répond à un besoin de concret chez les étudiants et la nouvelle génération, qui souhaitent aller directement dans le vif du sujet. HEC, EDEC, Schema, quelles sont les écoles de commerce les plus attractives de la BCE en 2024 Dans un article publié dans Challenge, on apprend que le concours BCE, dédié aux étudiants de classe prépa et commun à 19 écoles de management, enregistre cette année une hausse de 2% des candidatures avec 9023 inscrits. Une bonne nouvelle, après une édition 2023 particulièrement douloureuse pour certaines écoles. Cependant, l'article précise que la proportion de femmes est une nouvelle fois en recul, représentant désormais 47%. Au lieu de 49% l'année dernière. Une dynamique qui, malheureusement, s'observe aussi dans les métiers de la tech, d'après la dernière étude Genderscan réalisée par le cabinet d'études Global Contact en partenariat avec la CDFI. Relayée dans le Challenge, cette étude montre une chute de 6% en France de la proportion de femmes diplômées dans la tech, alors qu'elle augmente de 19% en Europe. En parlant de tech, Campus Matin revient sur le rapport de la commission Intelligence Artificielle. Remis au président de la République le 13 mars 2024. Pour faire de la France un acteur majeur de la révolution technologique de l'IA, le rapport recommande un triplement des formations dédiées à l'intelligence artificielle d'ici 2030. Et du côté de la recherche, la journaliste Marie Desso explique qu'il faut assumer le principe d'une exception IA. Utiliser ChatGPT pour étudier, c'est tricher C'est la question que s'est posée la journaliste Clarisse Watine pour Le Monde des grandes écoles et universités. Dans son article, elle a interviewé plusieurs experts qui partagent l'attitude à adopter face à cette innovation de rupture et rappelle que ChatGPT n'a pas la réponse à tout. Un nouveau label de type Nutriscore pour les 23 000 formations disponibles sur Parcoursup, c'est l'une des recommandations du comité éthique et scientifique de la plateforme, détaillée dans un article du Monde Campus. La journaliste, Soazig Lenevé, précise que ce label EduScore permettrait d'améliorer la plateforme en prévoyant contrôle et sanctions à l'encontre des formations qui dérogent à sa charte. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse. On se retrouve très vite pour de nouvelles actus sur l'enseignement supérieur. À bientôt. Pour terminer cette émission comme à chaque fois, nous accueillons une personnalité de l'enseignement dans notre petit oral, une interview en vidéo. Alors aujourd'hui, nous nous connectons avec Lisa Clémence, social manager du Digital Campus qui a lancé une vaste campagne sur les réseaux sociaux pour promouvoir CGPO. Lisa, je vous aperçois, bonjour. Bonjour. Un mot pour découvrir la vaste campagne de communication que vous avez fait. Quel a été votre projet que l'on va voir en images pendant que vous, que vous, que vous l'évoquiez Ok. Eh bien, nous, on a voulu euh, voilà, euh, faire parler un petit peu de notre, euh, de notre école qui est implantée partout en France, euh, particulièrement au mois de janvier. C'est toujours un mois qui est très, très fort pour l'enseignement supérieur. C'est un mois de passage à l'action pour les lycéens dans leur choix d'orientation euh, pour cette année 2024. Et euh, notre cheval de bataille, c'est un petit peu de de définir euh, les métiers auxquels on, on forme, auxquels on professionnalise, parce que ce sont des métiers euh, auxquels on est confronté au quotidien en tant qu'utilisateur, mais euh, qu'on connaît mal. Euh, ce sont souvent des anglicismes, ce sont souvent euh, voilà des euh, termes avec trois, quatre, cinq mots à la suite. Euh, donc c'est pas toujours évident avec des acronymes très techniques et très euh, issus à nouveau de l'anglais. Donc euh, l'idée c'était de se faire une idée du métier d'essayer de le définir dans ses grandes lignes et euh, pourquoi pas d'y ajouter en plus euh, voilà, de l'inspirationnel en faisant venir des étudiants ou des anciens étudiants qui ont vécu la formation, mais surtout qui travaillent dans ces métiers-là, euh, euh, notamment sur Twitch. Donc l'originalité n'était pas dans de, de, de se démultiplier sur TikTok, de, sur tous les réseaux sociaux. C'était plutôt l'angle de, 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 la, de la campagne que vous avez essayé de, de changer Alors, il y, y, y a deux, puisque... <laughs> il y a les deux, puisque effectivement, euh, nos futurs étudiants sont sur différents réseaux, donc Instagram, TikTok, euh, LinkedIn aussi, euh, et bien sûr Twitch. Euh, et l'idée, c'était d'aller les toucher dans leur quotidien et dans leurs outils quotidiens. Donc il y a ce côté multiplateforme, et il y a euh, l'angle aussi, et euh, ce, cette touche que nous, on voulait apporter avec euh, des angles créatifs qui passe appel notamment à la VFX, donc à, à la création d'images de, de synthèse ou d'effets de, de, spéciaux. Avec une écriture, j'imagine, à chaque fois dédiée pour chaque réseau social différent, évidemment tout à fait. Euh, on l'a vraiment possé pensé TikTok first, donc euh, orienté TikTok puisque c'est là où il y a la majorité de notre audience euh, jeune est implantée, avec ce côté euh, viralité, ce côté on va pouvoir venir imprimer aussi plusieurs fois le message et dans des codes dynamiques, puisque bah, le temps d'attention euh, des utilisateurs a quand même drastiquement baissé ces dernières années. Donc il fallait du, du rapide, de l'efficace. Qui imprime aussi la tonalité de l'école, où euh, on vient comme on est. Et, euh, et nous, euh, en tant qu'école, on vous apprend et on vous professionnalise. Un mot sur l'opération Twitch, ça a consisté en quoi alors nous, on a créé un plateau de toutes pièces euh, où on a fait venir euh, les anciens étudiants euh, jusqu'à nous euh, pour échanger sur euh, leur quotidien de métier, les challenges auxquels ils sont confrontés euh, et aussi tout ce qui est la partie... Euh, euh astuces, tips, euh, bonnes pratiques, euh, comment dire, professionnelles pour que ce soit un contenu qui soit inspirant d'un point de vue professionnel et à la fois euh, informatif aussi d'un point de vue euh, éducatif, pédagogique, euh, que, que tout soit condensé dans un, dans un plateau, dans un événement qui soit... Euh, bah, Déjà agréable à regarder et euh, vraiment rempli de bonne humeur. On l'a vraiment pensé comme une émission du style euh, popcorn, euh, qui est euh, à la fois détendue et à la fois informative. Un mot, est-ce qu'il est trop tôt pour euh, tirer les enseignements et les impacts de cette campagne, ou est-ce que vous avez déjà l'impact premier chez nous, c'est vraiment euh, la fréquentation des journées portes ouvertes. Donc nous, on, eu, euh, on, on a eu vraiment une mise en avant pendant trois semaines au mois de janvier et euh, qui a démarré par cette, euh, cette émission Twitch. Et euh, on a eu sur tout le territoire, puisqu'on est implanté euh, quasiment partout en France, euh, on a eu plus de 1000... Mille inscrits, c'est ça, plus de 1000 inscrits euh, sur nos journées portes ouvertes. Et euh, par rapport à nos statistiques habituelles, euh, les venues, donc vraiment les personnes qui étaient présentes en campus, euh, ça a été aussi boosté par cette campagne-là. Donc euh, pour nous, c'est une réussite. Bravo, bravo pour cette réussite et pour cette initiative. Merci beaucoup. Bonne chance pour la saison et pour votre recrutement. Et à, à très vite, je l'espère, dans le petit oral. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Il me reste à, à remercier mes invités en plateau, qui ont eu la gentillesse de répondre oui à l'invitation de Come Together, Rennes Paris. Merci euh, Romain, merci encore d'être venu et Céline, euh, pareil, merci d'avoir joué le jeu et d'avoir apporté votre éclairage sur euh, ce grand débat euh, qui était faut-il quitter euh, X, ex Twitter. Quant à moi, il me reste à vous dire au revoir et à très vite pour un nouvel épisode de Come Together. Bye bye, ciao. <music>